puisqu'on parle de musique, puisqu'on parle de modernisme, puisqu'on a envie de changer un petit peu les choses, il y en a deux dans la discipline du dressage qui ont vraiment envie de changer les choses. Sortir un petit peu du cadre, sortir de la zone de confort. Arrêter le confort, le calme et la discrétion d'une reprise de dressage. Ils ont envie de tout changer. Et c'est eux qui vont vous présenter leur concept. C'est eux qui en ont eu l'idée. Lui, il était à Pékin, aux Jeux Olympiques de Pékin, pour représenter la France. Il a participé à la finale de la Coupe du Monde, où il terminait à la 9e place. Il participait aux Jeux équestres mondiaux de Caen. Un amoureux de la musique, un amoureux du dressage, bien sûr, et de la France. Avec Soliman, c'est Marc Boblet qui va faire son entrée dans quelques instants. Et puis, elle, 27 ans seulement, les Jeux équestres mondiaux de Caen, Normandie 2014, elle était finaliste. Les Jeux olympiques de Londres 2012, trois finales de Coupe du Monde. Elle va arriver ici avec Black Pearl, Morgane Barbançon-Mestre. Et à eux deux, ils se sont dit, il faut qu'on profite de Bordeaux. Il faut profiter du jumping, il faut profiter de ce public de Bordeaux tellement chaleureux et tellement ouvert aux nouveautés. Ici, on a inauguré le derby de Vaucou et eux aussi ont envie d'inaugurer, de montrer une autre manière de vivre le dressage. Et puis, dans notre société, il y a quelque chose qui est très à la mode, ce sont les battles, bien sûr. Les battles, un contre l'autre. Avec l'aide du public, à chaque fois, ils ont voulu vous présenter cette nouvelle manière de faire qu'ils vont vous expliquer eux-mêmes. Je crois qu'il faut maintenant les appeler. Ils veulent vous montrer le dressage sous un autre jour. Voici la battle de dressage de Marc Boblet et de Morgane Barbançon-Mestre. Allez-y, en cadence, pour les chauffer, parce qu'ils ont envie de chauffer dans un concours de dressage normal. On vous aurait interdit de faire ça, alors profitez-en. Ils sont là, voici la bataille de dressage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Morgane. C'est quoi cette idée de fou? Heureux de vous voir aussi nombreux ce soir, hein, c'est super. Alors on va vous proposer, on va dire ça comme ça, un petit spectacle en trois parties. On va faire une première partie technique juste parce qu'on a emmené deux chevaux de Grand Prix, donc on va vous montrer deux, trois mouvements qui sont liés au Grand Prix. Ensuite, comme tout le monde est au courant, on va faire cette fameuse battle qui va se passer entre Morgane et moi. Et puis on aura un petit final très rigolo. Voilà, je propose qu'on mette un petit peu plus de lumière. Peut-être. Et on va vous proposer quatre exercices que l'on voit dans la reprise Grand Prix. Donc la reprise Grand Prix, c'est vraiment le niveau le plus élevé, comme vous savez, il y a le Grand Prix et le Grand Prix spécial. Donc moi je vais me charger des exercices au galop, je vais exécuter les deux temps et les temps sous les commentaires de Morgane. Et moi, donc c'est un honneur. Et moi je vais vous montrer le piaffé et les appuyer au trot. Ok. Alors je vais commencer à main droite. L'honneur. Je te laisse commenter. Donc les changements de pied, il va nous montrer des changements de pied à deux temps. Donc toutes les deux foulées. Vous verrez maintenant galop à gauche, galop à droite, galop à gauche, galop à droite. Donc toutes les deux foulées, ils changent de pied, qui est le premier exercice difficile au changement de pied dans le Grand Prix. Et maintenant, il va nous montrer la diagonale au temps, qui sont un peu comme des pas chassés.
Donc on verra, il passe du galop à gauche au galop à droite. Dans le Grand Prix, il y en a 15. Allô, allô, ça y est, ça fonctionne. Alors, Morgane, elle va nous montrer d'abord ce qu'on appelle les exercices latéraux, donc les appuyés. Elle va commencer par un appui à gauche. Alors, le cheval va regarde dans la direction dans laquelle il va. Voilà, Morgane va récupérer tout ça. Les chevaux sont un petit peu émotifs. Il y a une ambiance assez électrique. Voilà, on voit une très jolie cadence. Donc, le cheval doit aller vers la gauche, regarder vers la gauche, et son corps doit être parallèle au grand côté. On va laisser Morgane tranquillement rassurer sa jument et elle va faire un très joli appui à droite. Voilà. Donc la jument est fléchie à droite, va de côté et vous remarquerez que tout son corps est parallèle au grand côté. Alors il faut savoir que dans le Grand Prix, les appuis sont très serrés et il y a un appui à droite et tout de suite derrière un appui à gauche. C'est une des grosses difficultés du Grand Prix et c'est noté avec un coefficient de 2, donc très très important pour nous. Pour Morgane, aucun problème parce qu'elle fait ça très très bien. Je pense qu'on peut l'applaudir, c'est vraiment chouette. Et alors maintenant, on arrive dans la difficulté principale du Grand Prix, qui est le piaffé et le passage. Donc on va tout de suite passer au piaffé, qui est donc le summum du rassemblé. Vous voyez la jument qui est sur place, qui diagonalise ses allures. Et en fait, le but, c'est vraiment de transformer toute l'énergie qui vous emmène vers l'avant en la transformant vers le haut. Voilà, Morgane qui fait une pirouette au piaffé. Là aussi, on peut applaudir parce que c'est magnifique. Et voilà. Alors ça, c'était le petit intermède technique, on va dire. C'est des exercices que vous allez rencontrer là avec nous tout au cours de la battle, évidemment. Alors, on va vous proposer maintenant une battle. Alors là, une battle, il faut savoir que c'est certainement une des premières mondiales et on fait ça à Bordeaux, on est ravis de le faire, on sait qu'on va beaucoup s'amuser, j'espère que vous aussi, vous allez vous amuser. Alors, c'est quelque chose qui se passe à l'applaudimètre. On va diviser la salle en deux. Une partie de la salle va être avec Morgane, donc ça va être l'équipe de Morgane. Une autre partie va être mon équipe. Donc, comme prévu, André-Jacques, je pense qu'on divise la salle à partir de B et en E. Marc. Oui, oui, oui. Je te laisse expliquer parce que je crois qu'on a un petit problème de voix avec le speaker. Voilà. Donc vas-y, tu je vais essayer de faire aussi bien que lui, mais c'est pas certain. Hein. Alors, on va diviser la salle en deux. Morgane va prendre son côté. Non, Marc. Moi, je voudrais Morgane de mon côté, s'il te plaît. Tu veux... Non. Moi, je vais venir de ton côté et te surveiller. Moi, j'ai une proposition à faire. Dis-nous, Morgane. Je veux que tout le monde fasse du bruit. Et je prendrai le côté qui fait le plus de bruit. Bah, allez, montrez-nous alors. Allez. On a dit de faire du bruit. Là-bas. J'ai fait mon choix. Vous avez intérêt à faire du bruit hein, ce soir. Alors tu es ici. J'ai choisi ici. Bah alors, oui, bah, évidemment, je suis à fond d'abord. Alors regardez bien, regardez bien. Alors eux, ça c'est l'équipe de Morgane. Maintenant, on a entendu un petit bruit. Nous, on va leur montrer ce qu'on est capable de faire. Allez, on y va ensemble. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, 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 allez. Allez, et vous aussi. Allez, allez. Voilà, je crois qu'on est bien chaud. Hein. Marc, on pourra faire du bruit. Est-ce qu'on pourra faire du bruit pendant le show? Alors, évidemment, je finis de planter le décor, je finis la petite explication. On va tous les deux monter trois séquences. De grosso modo une minute. La première séquence, va être dédiée au galop, et puis la deuxième au trot, et enfin la troisième où on va tout mettre ensemble. Alors, pendant que le cavalier fait sa démonstration, son équipe doit faire le plus de bruit possible. Mais quand je dis le plus de bruit, c'est debout, les pieds, les mains, les cris, en rythme avec la musique, jusqu'à ce que quelqu'un tombe. N'hésitez pas, après vous venez nous chercher. Pour une fois, tout est autorisé en dressage. Donc faites du bruit. Il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Je propose à Morgane de commencer. Tout le monde a compris les règles, dites-moi.
Est-ce que vous êtes chaud? On va leur prouver quand même que nous, on est-ce fait que vous plus êtes vraiment bruit, chaud? Hein? Allez! Allez, super, c'est Morgane qui commence. Toute cette partie-là va faire beaucoup de bruit. Celle-ci reste avec moi. Ouais! Wow. On est parti? Allez, musique. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nu dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ringham Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas. On sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Est-ce que vous l'auriez cru, ça, pouvoir comme ça applaudir, faire du bruit en même temps que les changements au pied pour Morgane, hip 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 hop! Hip 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 hop! Ça, c'était le show de Morgane. Que va dire le maître? Alors. Ils vont devoir faire du bruit là pour nous battre. Alors, vous avez vu là? Ça a juste fait un petit peu de bruit. Hein. Nous, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Nous, on fait exploser la salle. On va se mettre debout. Et on va faire tellement de bruit que plus personne ne va rien entendre. Même plus la musique. Est-ce que vous êtes prêts? Vraiment prêts? Allez, on est parti! Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, excuse me, and I'm
ready to fall on top of the world. Think about it, cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby, I make it feel right, baby. Keep on. Bon, Soliman était un peu émotif, je suis vraiment confus. Sachez-le, j'ai fait le maximum. Normalement, dans la deuxième partie, ça devrait être beaucoup plus contrôlé, va-t-on dire. On a bien aimé la double pirouette là-bas. Magnifique. Je te remercie. Ils ont fait trop de bruit ? Non, non, ils n'ont pas fait trop de bruit, ils n'ont pas fait assez. Je crois que vous c'est avez pour fait ça, trop en fait. De bruit. Hein. Par contre, vous, vous pouvez faire plus de bruit. Hein, hein ? Voilà, ça c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ouais, 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 on va voir. On va voir. Ouais, ouais. Bon, la deuxième chanson, elle va bientôt pouvoir partir. Sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira. Après, je suis d'accord, Morgane, c'est la classe, hein. On est tous d'accord. Magnifique, la jument extraordinaire. Que je te signale, t'es de notre côté, donc si tu pouvais te réveiller un peu, ça serait pas mal. Ok, je vais vraiment faire le maximum, mais je sais que j'ai une équipe qui est fabuleuse. Je sais pas si vous avez vu le bruit qu'on a fait tout à l'heure. Bon, je pense que Soliman va vraiment finir par apprécier. Enfin, j'espère, je vais peut-être lui parler un petit peu. Allez, 3, 2, 1, mettez. Allez, vous êtes prêts? Allez, fort, hein. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You want it control, so you paint it on the show. Now make it, you say I'm a kid. My ego is big, I don't give a damn.
l'intervention de Soliman et Marc Boblet. Encore et encore. Encore et encore. Et encore. Non, super. Oh, merci beaucoup. C'est mieux. C'est mieux, Marc. Tu lui fais le maximum. Là, le trot est fabuleux. Le trot du cheval est fabuleux. Bah, tu te diras au galop, il a failli tomber tout à l'heure. Mais c'est mieux. C'est mieux quand même, non? Ah bah oui. Merci, Eddy. Au moins, un connaisseur comme toi, ça fait plaisir. Merci. Bon. En plus, il peut pas me répondre, c'est un vrai bonheur. Et maintenant? Oui, je sais. Morgane? C'est la dernière tournée. On fait quoi? Donc là, la musique va vous entraîner. Vous pouvez chanter, danser, taper des pieds, hurler, applaudir, vous faites tout ce que vous voulez. On a bien vu que la jument, elle l'accepte plutôt bien. Donc, je vous autorise à faire encore plus de bruit, parce que j'ai la meilleure équipe et on va gagner. Allez! Bring that ass back like a boom, 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 boom. Ass bat like a boom 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 boom. Est-ce que ça vous a plu? On peut applaudir Bayard, hein? Encore. J'avais promis de plus jamais lâcher les deux rênes. Bravo Bayard, hein? Vraiment super. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais il leur manquait 2000 personnes, non? Par rapport à nous. Hein, on est d'accord, hein? Allez, je vous propose quelque chose. On se prépare pour gagner cette finale. On se met tous debout. Allez, on se met tous debout, faites un effort, s'il vous plaît. Encore, tout le monde debout, les VIP, ceux qui mangent, debout, 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 tout le monde debout. Plus une seule personne. Allez, ouais. Je vous vois là-bas, debout, debout. Ça, c'est de la triche. Non, non, pas du tout. Bah, si, hein. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop ta technique, alors on va remplacer par quelque chose de différent. Vous êtes prêts? Alors, là, moi, j'ai choisi une musique un peu rigolote où vous pouvez taper des pieds, frapper, chanter, chanter les paroles, frapper dans les mains, et ça va être magnifique. Allez, on y va? Allez, on la gagne, hein, cette finale, on y va! My
Diego, un haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bine și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă, nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă, nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tăi. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bine și sunt voinic. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă, nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă, nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc de ochii tăi. Marche sono le mani, pip pip! Pip pip pip! Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment un truc de fou que vous avez imaginé là, de venir faire ça à Bordeaux, devant le public de Bordeaux, qui est si chaud d'habitude, et là vous avez enflammé encore plus. En tout cas, et attendez, vous n'avez pas tout vu, chers amis, parce que le final, restez là. On les laisse souffler. Je voudrais quand même, pendant qu'ils récupèrent un tout petit peu, dire quelques mots, en particulier pour ceux d'entre vous dans le public qui ne sont peut-être pas des habitués des manifestations équestres ou qui n'ont peut-être même pas, peut-être jamais vu une compétition de dressage. Ce que vous venez de voir est un vrai truc de fou, excusez-moi, cette facilité de langage. Pourquoi ? Parce que la plupart des compétitions de dressage, toutes les compétitions de dressage, se déroulent en général, d'abord avec, malheureusement, assez peu de public, en tout cas, moins que 8000 personnes comme ce soir. La plupart des compétitions de dressage se déroulent dans une ambiance feutrée, calme, sans trop de musique, ou alors de la musique classique et pas trop fort. Et pour que l'on réussisse, et pourquoi en général ça se passe dans le calme? Parce qu'on a craint que les chevaux ne soient perturbés et ne réalisent pas bien les figures, les allongements, les précisions, le tracé, etc. Et eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu là, de pouvoir demander le bruit et vous montrer que quand même les chevaux sont capables d'être en harmonie, de montrer leur plus belle allure, d'être précis, de répondre au cavalier et à la cavalière. Alors justement, puisqu'on parle de répondre, quand on a commencé à parler en préparant ce jumping de Bordeaux sur les réseaux sociaux et sur les réseaux de vos coups, sur Instagram, l'Instagram de Morgane, il y a eu des milliers de fans qui ont posé des questions à nos deux cavaliers. Alors, on voulait aussi les poser ce soir. Et je vais commencer avec cette question qui a été posée sur les réseaux sociaux, une question à Marc. Marc, je ne sais pas si tu m'entends. Et pourquoi ? Pourquoi vous avez voulu créer cette battle et rejoindre ici cette passion de la danse, de la musique et du dressage? Alors tu as commencé à très bien l'expliquer. Il s'avère que moi j'ai une motivation très grande, c'est de montrer que le dressage peut être très amusant, peut être compris par tout le monde et de ce fait pas enfermé dans des dogmes, enfermé définitivement sur un rectangle avec effectivement des chevaux qui sont un peu dans la poussière, qui ne bougent pas. Et j'avais envie ce soir, avec l'aide de Morgane,
qui nous a fait une démonstration technique incroyable. Je crois qu'on peut encore l'applaudir et encore, elle était exceptionnelle. Surtout dans cette ambiance électrique, il y avait un contrôle qui était fabuleux. Tu es une reine. Qu'est-ce que je disais déjà, j'ai oublié. Et voilà, et on avait envie tous les deux de casser un peu les codes du dressage, tout simplement, et pour attirer les gens, donner envie un peu de faire du dressage, montrer que c'est aussi une discipline vraiment sportive. On a des chevaux qui sont de réels athlètes qui bougent très très bien. On a vu les deux chevaux s'exprimer très bien aujourd'hui, et ce, dans une ambiance incroyable, grâce à vous d'ailleurs. Merci encore infiniment. Et à tous, hein. Merci. Merci Marc. Alors il y a une question aussi, d'autres questions qui sont arrivées sur les réseaux, une question pour Morgane. Pourquoi avoir choisi le dressage? Et je dirais même, quand on voit comme tu t'amuses ce soir, parce que finalement, la question sur les réseaux, c'était pourquoi est-ce que tu es stressé pendant les compétitions? Comme on voit comme tu t'es amusé ce soir, j'ai l'impression que tu n'as pas l'air très stressé comme ça. Alors à vrai dire, non, je ne suis pas très stressée sur les concours. Pourquoi le dressage? Parce que je trouve ça fun. C'est une discipline fantastique qui nous permet d'être vraiment très proche de notre cheval, tout en harmonie. Faire ses figures, c'est beaucoup, y a beaucoup, énormément de travail derrière, un travail régulier à la maison avec lequel on se rapproche tous les jours et tous les jours de plus en plus à notre compagnon, parce que pour moi, c'est Baya, c'est ma compagne. On s'apprend à se connaître l'un et l'autre de plus en plus tous les jours, plus les jours passent, les semaines, les années. Et on forme, et ce que je trouve super, c'est qu'aujourd'hui on peut vraiment former un couple, vous montrer une soirée comme aujourd'hui, un cheval qui nous fait, normalement, qui n'ont pas l'habitude d'avoir autant de bruit, certes, mais on a réussi à construire ensemble une telle confiance que je peux l'amener n'importe où et lui dire, écoute, si je t'amène ici, t'as pas de problème, fais-moi confiance, tout ira bien. Et elle nous l'a prouvé ce soir, que même dans une atmosphère comme ça, le cheval, il est avec moi. Et il dit, je fais. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, une petite particularité en plus, parce que c'est vrai que la jument a été magique tout à l'heure, particulièrement au travail au trot. Particularité technique qui va intéresser tous les cavaliers. Il paraît que tu montes avec une selle de Vaucou, bien sûr, une selle en liège. Et c'est oui. Ça. Sans cuir, c'est vrai? Sans cuir, 100% naturel, donc du liège. Alors, je l'ai essayé pour la première fois hier. C'est une selle super légère. Baya a l'air de l'adorer. En plus, très souple. J'ai été très étonnée qu'on puisse faire une selle. Il n'y a aucune matière animale sur cette selle et je trouve ça fantastique. Bravo des Vaucou. Bah, bravo. Allez donc, vous avez bousculé, vous avez changé plein de choses ce soir. Comment on finit, Marc? Comment vous avez envie de finir tous les deux? Et quel est le dernier souvenir que vous avez envie d'emporter de cette soirée magique? Comment vous voulez finir? Envie de faire quelque chose encore avec nous? Alors, on vous a préparé une petite surprise. C'est encore une bataille, parce que nous, on est très compétiteurs tous les deux, donc on aime beaucoup se bagarrer, même si on s'entend très très bien. Alors, on va cette fois-là faire une première mondiale. C'est la première fois que ça se passe, et c'est à Bordeaux. On va faire ce qu'on appelle une double Ola. Alors, je vous explique tout ça. Ça va être assez chouette. Morgane va aller se placer en B, et moi en E, si Soliman le veut bien. Et puis, on va tous les deux se mettre à main droite, et on va d'abord commencer à trotter. À chaque fois que vous avez un cavalier qui passe devant vous, vous devez vous lever. Je compte sur vous, hein. Pas de blague, hein. Et le côté VIP, hein. On se lève aussi, hein. Et on se lève aussi. Tout le monde se lève. Donc, on fait une Ola, et puis on va chercher tout simplement à se rattraper. Donc, les Ola vont accélérer. Méfiez-vous, il faut être rapide. Et à la fin, l'un rattrape l'autre et les deux holas se rassemblent et on en fait une tous ensemble. Est-ce que ça vous va? C'est tout clair? Une course de holas, quoi. Une course de holas, exactement. Il n'y a que dans le sud-ouest comme vous pouvez inventer ça, bien sûr, une course de holas. Bon, on va aller doucement au début, que vous comprenez le truc, et après ça va aller de plus en plus vite. Donc il faut suivre. Quand vous levez, hein, pas de blague. Je sais que les petits fours sont bons. Mais... Lui, il est du côté difficile. Si Soliman peut bien y aller. Attends, je ne suis pas prêt du tout, il n'a pas envie. Attends, on va se mettre dans le bon sens. On est-ce que le public peut donner le départ? Je prends le train en marche. Le public peut donner le départ, Marc? 5, 4. I'm a superstar leaping through the sky. Allez. Like a tiger. Allez, là, là. Defying the laws of gravity. Allez, là, là. I'm a racing car passing by like
supersonic woman of you. Yeah.